Hey, salut à tous, c'est Fous, la canne, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, enfin. J'ai envie de vous dire, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Je vais vous dire la raison pourquoi de mon absence. Ça fait maintenant 2 mois, je crois, voire 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'avais pas l'envie, en fait. J'avais plus du tout l'envie de faire des vidéos sur YouTube. Pas de raison particulière, parce que j'avais la flemme, j'avais pas l'envie, j'avais pas le temps. Mais je vais me remettre aux vidéos et ça va pas être les mêmes vidéos qu'avant. Il y aura beaucoup moins de gaming. Il y en aura beaucoup moins de vidéos aussi. Je vais essayer d'en faire quand même une tous les mois. Je vous garantis rien, mais je vais essayer. Je vais plus faire des vidéos, des salons, des machins, des trucs comme ça pour justement changer un peu que le gaming. Parce que le gaming, il y a tellement de monde qui en fait que c'est plus possible du tout d'en faire. Donc je vais faire ça et puis même il n'y a pas de jeu où j'avais l'envie de faire des vidéos. Je n'avais pas de jeu de préférence que j'avais envie de vous faire partager avec moi. Mais voilà, en fait c'était juste que j'avais pas la motivation. Donc pas de choses graves qui s'est passé, machin. De toute façon, la plupart des personnes le savent. Et aussi il y aura bientôt une vidéo. Je pense, j'espère vraiment qu'elle va sortir au mois d'avril. Mais normalement, fin mars, début avril, elle sort normalement. Une vidéo, je vous dis pas ce que c'est, mais on va s'envoler quoi. On va s'envoler. Voilà, c'est un petit indice, mais je vous dis pas ce que c'est. Et puis encore désolé de ma grosse absence. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Puis je vais essayer de tourner un peu des vidéos de gaming, pas trop, parce que le gaming, je commence à m'en passer. Mais je vais en faire quand même. Donc là, il y a Metro Exodus que je peux faire, enfin, il y a plein de jeux que je me suis pris, il y a Red Dead, enfin, plein d'autres jeux que je me suis pris. Mais tout simplement, c'est parce que j'avais pas l'envie en fait. J'avais vraiment pas l'envie. Mais maintenant, j'ai décidé de recommencer les vidéos, de recommencer une nouvelle chaîne. Enfin, pas une nouvelle chaîne, mais pour moi, c'est une nouvelle chaîne. Parce que j'ai changé de logo, j'ai changé de couleur, de. Enfin, vous avez dû le voir, de toute façon. J'ai tout changé, vraiment tout changé. Ça ressemble quand même au premier logo, à la première bannière, mais d'une autre couleur. C'est plus moderne, ça fait moins gamin. J'ai grandi, donc on change de vidéo, on change de sujet, et puis on va rester sur les vidéos de IRL quoi, en fait, j'ai envie de vous dire, et 2 fois moins de vidéos gaming. Voilà. Donc faites-moi part vos idées dans les commentaires, des commentaires constructifs s'il vous plaît. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si je dois arrêter les vidéos gaming, dites-le moi. Ou si je dois continuer, dites-le moi aussi. Mais voilà. Essayez de me donner des idées dans les commentaires. Comme ça je saurai ce qu'il faudra que je fasse par la suite. Ok, bon bah on va s'arrêter là. De toute façon, j'ai pas d'autres choses à vous dire. Et puis je vous dis bonne vidéo à tous. Et puis bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. Je sais pas quand elle va sortir. Mais ça sera une vidéo gaming déjà, je pense. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao tout le monde. Allez, ciao. Hey, salut à tous, c'est Fous, la canne, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur le thème de Forza Motorsport 8. Et oui, effectivement, on va parler de ce prochain opus, enfin, je pense et je l'espère, de Forza Motorsport 8 qu'on attend terriblement, mais qui va mettre un peu de temps à arriver, je pense. Donc, alors. Pour le gameplay, on est sur Forza Motorsport 7, donc pour le thème de Motorsport. Alors ne faites pas attention au gameplay si je conduis comme une merde, mais ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas joué au jeu, donc si s'il vous plaît, soyez gentils avec mon gameplay pourri, merci. Donc en gros, on va parler de Forza Motorsport 8 qui va sortir. On sait pas quand, mais pas en 2019. Donc pour ceux qui pensaient qu'il allait sortir en 2019, vous vous êtes trompé parce que j'ai trouvé des articles, des vrais articles que Turn 10 ou quoi ont mis sur le net. Donc je vais vous lire ça dès tout de suite. Alors on va commencer. L'été dernier, Turn 10 nous parlait de sa roadmap et du fait que 100% de l'équipe travaillait toujours sur Forza Motorsport 7, donc sur le Forza que je joue actuellement. Et que le but était de rajouter du contenu plutôt que de sortir un nouvel épisode de la série.
Mais les annonces de recrutement ne mentent pas. Alors que la prochaine Xbox, nom de code Xbox Scarlett, est attendue pour 2020. Au plus tard, d'après les dernières rumeurs, Turn 10 recrute un développeur C++ pour travailler sur la prochaine génération de jeux Forza Motorsport. Donc, dans une annonce postée pas plus tard qu'hier, mais moi ça fait une semaine que je l'ai, ça fait une semaine que je travaille sur la vidéo, donc ça en vous comptez. Mais en gros, ouais, de ce qu'ils disent, franchement, moi je les crois totalement parce que en gros, ça m'étonnerait qu'ils sortent sur Xbox One X ou Xbox One S ou Xbox One normal, étant donné que on a déjà eu combien on a eu déjà Forza Motorsport 6, Forza Motorsport 7, Forza Horizon 3, Forza Horizon 4. Donc on a déjà eu 4 opus de la série Forza. Donc à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils en rajoutent un encore sur cette génération de Xbox qu'on a en ce moment même. Mais après, on sait pas et on a un autre article. Alors, si vous postulez, il est mentionné qu'il est préférable d'avoir développé sur Xbox One, Xbox 360 ou PC. Il n'est pas dit clairement que Turn 10 développe Forza Motorsport 8, mais quand on parle de la prochaine génération de Forza Motorsport, difficile de penser à autre chose qu'une suite directe. Et ça ferait, une belle vitrine pour la future Xbox aux côtés de Halo Infinite. Donc effectivement, Halo Infinite, ça sera le nom de code du jeu qui va sortir avec la Xbox Scarlett. Donc ça sera plus une Xbox One, ce sera la nouvelle génération des Xbox qui sort l'année prochaine, donc en 2020. Alors cette année, il y a une nouvelle Xbox qui sort, donc c'est la Xbox One S qui sort au nom de Scarlett, normalement, si je dis pas de conneries, mais ça sera des jeux dématérialisés, donc on pourra plus mettre de CD, mais ça m'étonnerait qu'ils sortent ce jeu dessus. Donc à mon avis, ça sera vraiment pour 2020, je pense, pour ma part. Alors, toute l'équipe à 100%, toute l'équipe de Forza Motorsport travaille actuellement sur Forza Motorsport 7. Ce que cela signifie, c'est que nous allons pas faire de Forza Motorsport 8, nous faisons pas une nouvelle expansion. Ce que nous faisons, c'est investir dans l'expérience de sport automobile que vous avez en ce moment. Ce qui la rend meilleure pour tout le monde, c'est que... Putain, j'arrive plus à lire, oulala. Si toute l'équipe travaille sur le jeu, ça va aller de mieux en mieux. Donc oui, effectivement, l'équipe y travaille sur Forza Motorsport 7, donc Turn 10, et sur Forza Horizon 4. Donc en gros, à mon avis, ça m'étonnerait clairement qu'ils sortent le jeu pour cette année. Parce que quand on regarde, ils sortent des nouvelles voitures, ils sortent plein de mises à jour Forza Motorsport 7 et puis Forza Horizon 4. Donc, à mon avis, ils vont pas rajouter du contenu si ça ne sert pas par la suite. À mon avis, ils rajoutent du contenu pour se préparer au prochain jeu. Et puis, je pense qu'il faut qu'ils se préparent un peu plus pour changer un peu le style de jeu. J'aimerais bien qu'ils changent un peu ce style de jeu parce que tout le temps pareil, au bout de... Je sais pas combien de temps ça dure, ça fait tant que ça existe, les motorsports, mais ça fait très très longtemps. Donc pour ma part, ils se préparent à faire un jeu bien développé, avec peut-être des nouvelles marques pour changer un peu des voitures, parce qu'on a tout le temps les mêmes voitures. Donc, voilà. Alors, le message est donc clair, personne ne travaille sur Forza Motorsport 8 chez Turn 10. Il est donc bien probable que le prochain épisode ne sort pas en 2019, mais... plus tard. Pour la nouvelle Xbox, peut-être. Alors, pour la nouvelle Xbox, peut-être. Moi, clairement, je suis sûr et certain. Ça va être sur la nouvelle Xbox Scarlett ou Xbox Anaconda. Ça dépend laquelle vous achèterez, machin tout. Mais elle va sortir sur les prochaines générations. Parce que oui, effectivement, je pense qu'il se prépare graphiquement. Il se prépare pour changer un peu le menu, déjà aussi. Parce que ça fait très très longtemps qu'on a à peu près les mêmes bases de menu. Donc voilà. Ouais, je sais pas trop comment ça va se dérouler, mais à mon avis ça va se dérouler comme ça. Donc je vais pas plus
Je vais pas plus prendre la parole, donc on va s'arrêter là. Et puis moi je vous dis désolé encore pour ce temps que j'ai pas fait de vidéo, mais je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo et ciao tout le monde. Allez, portez-vous bien. À plus.